Un phénomène périodique est un phénomène qui se reproduit identique à lui-même au bout d'un intervalle de temps régulier. Voici quelques exemples de phénomènes périodiques. Les battements du cœur, les saisons, l'alternance des jours et des nuits, ou les oscillations du balancier de l'horloge. On peut ainsi relever l'évolution d'une grandeur au cours du temps, comme par exemple la hauteur de l'eau en un point sur une journée, ce qui fait les marées, l'amplitude d'un ressort qui oscille. Lorsqu'on réalise l'enregistrement d'un signal périodique, on mesure souvent l'évolution d'une tension U en volts au cours du temps. Voici l'allure d'un enregistrement. Sur l'axe des ordonnées, on mesure une tension en volts. Sur l'axe des abscisses, on mesure une durée en secondes ou en minutes. Voici quelques exemples. Ici, l'enregistrement d'un électrocardiogramme ECG. L'allure de la courbe donne plusieurs pics régulièrement espacés. Un électroencéphalogramme EEG. Ici, l'allure de la courbe avec un signal qui se reproduit identique à lui-même au cours du temps. Pour un signal périodique, un même motif se répète à intervalles de temps réguliers. Ce motif est représenté ici en rouge. Ici, l'allure d'un ECG, électrocardiogramme. En rouge, le motif élémentaire qui se reproduit identique à lui-même au cours du temps. Et ici, l'EEG avec en rouge le motif élémentaire qui se reproduit aussi identique au cours du temps. Voici ce qu'il faut retenir. Un phénomène périodique est un phénomène qui se reproduit identique à lui-même au bout d'un intervalle de temps régulier. Lorsqu'on réalise l'enregistrement d'un signal périodique, on mesure l'évolution d'une grandeur, tension, amplitude, angle, au cours du temps. Pour un signal périodique, un même motif se répète à intervalles de temps réguliers. Ici, le motif élémentaire est représenté en rouge. Thank you.